C'est la catastrophe. C'est pour cela que je vous dis que c'est mitigé pour moi. Je ne peux pas pleurer devant vous, mais je vous dis tout simplement que c'est ça la leçon que le peuple réserve toujours à ceux qui ne veulent pas entendre raison. Pardon. À ceux qui ne veulent pas entendre écouter le peuple. Ce n'est pas religieux de nous imposer des candidats. Au Sénégal, ça se passe. Mais c'est plutôt les politiques qui vont vers les religieux, les mourides, les titanes, etc., etc. Mais on ne les voit jamais sortir prendre le micro dans les meetings. C'est les conséquences. Quand je vois l'ancien chef de file rasé dans sa propre circonscription, où il est élu difficilement maire, alors là, je dis qu'il y a un problème. Je ne sais pas comment on va agir et réagir demain, parce que quelqu'un va désormais sortir pour dire que désormais c'est moi le numéro 2. Et j'avais dit, il y a 2 semaines, que c'est le combat de la 2e place qui va être déterminant dans l'espace politique togolais. Eh bien, le décor est planté, nous allons gérer ça. Merci beaucoup.